ça fait, oui, ça fait des vies intéressantes. Voilà. Sophie m'a envoyé un message, tu sais, par les biais d'internet, d'un email. Elle s'excuse de son comportement. Ah, tu sais, c'est toujours comme d'hab avec elle. Elle fait le truc, après elle fait le contraire, et elle s'excuse. Je trouve ça trop simple, tu vois. Faudrait quand même qu'on lui explique deux, trois petites choses. J'aime Sophie, mais... Tu sais, en fait, il a pas plu. Il me faut des enfants. Sophie ! Je ne t'en veux pas, Sophie. Tu as toujours été... Tu as toujours été. Sophie, arrête. Je suis là dans ma vie, là. J'aime bien, tu es un peu... Parfaitement, oui. Oui, je peux y être. À 14h30, à la ferme, parfaitement. Vous avez des nouvelles de Sophie, de votre... Non. Non. Elle est... Oui. Écoutez, 14h30 à la ferme. Je vais à la ferme, je vais rendez-vous avec le docteur. Si Sophie appelle, tu pourras lui dire que... je la rappellerai pour qu'elle m'envoie un message. Bon, celle-là aussi. Attends. J'ai perdu la lampe torche électrique, j'ai récupéré des pinces à la fin. Attends. T'as des nouvelles de Sophie ? Non, toujours pas. C'est où là ? Hein ? Mon avis, elle m'en veut énormément. Je ne sais pas ce que j'ai pu lui faire, mais je pense que... Attendons demain, le facteur, il aura peut-être un télégramme. Moi j'ai jamais vraiment compris réellement ce que Sophie voulait dire par jouer à cache-cache tout le temps, c'est un peu pénible. Il y a ce côté là, il y a ce côté méchant. Ah oh, 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 oh.